Sur Wikipédia, il y a différents statuts qui distinguent les contributeurs. Saviez-vous par exemple qu'il est possible de contribuer sans créer de compte et qu'il existe des contributeurs et contributrices avec des rôles spécifiques? C'est ce que nous allons détailler ici. Qui donc contribue à Wikipédia dans l'ombre? La réponse est simple. Potentiellement, tout le monde et n'importe qui. En fait, il n'y a même pas besoin de créer un compte pour contribuer. Tous les internautes qui contribuent sans s'inscrire sont identifiés dans l'historique des articles par leur adresse IP. L'adresse IP, pour le dire simplement, c'est un numéro qui identifie votre ordinateur auprès de chaque site web que vous consultez. Les contributrices et contributeurs sous IP sont souvent des internautes de passage qui contribuent très occasionnellement quand ils voient une faute d'orthographe, par exemple. Ils peuvent modifier la plupart des articles, mais n'ont pas accès à toutes les fonctionnalités. Par exemple, changer le titre d'un article. Et ils ne peuvent pas pleinement participer à la vie de la communauté, comme par exemple, voter lors des élections ou participer aux prises de décision. Pourquoi ces limitations? Eh bien, l'adresse IP peut changer régulièrement et il suffit que quelqu'un s'y connaisse un petit peu en informatique pour avoir la possibilité de changer d'IP à loisir, ce qui ouvre la porte à certains abus. La plupart des dégradations volontaires d'articles, que les Wikipédiens appellent couramment des vandalismes, sont dues à des internautes non inscrits qui éditent Wikipédia sans avoir créé de compte. Quasiment toutes les personnes qui contribuent régulièrement à Wikipédia ont créé un compte avec un pseudonyme, le fameux pseudo. Cela leur permet d'être bien identifiables au sein de la communauté et de s'y investir tout en restant anonymes. Elles bénéficient également de fonctionnalités supplémentaires, par exemple avoir une liste de suivi. Leur adresse IP, elle, reste confidentielle. C'est leur pseudonyme qui apparaît dans les historiques. Cela dit, les internautes qui contribuent sous IP et les détenteurs d'un compte ont les mêmes pouvoirs éditoriaux. Il n'y a aucune hiérarchie entre eux. Il faut bien retenir ce point. Avoir un compte et un pseudonyme permet aussi d'accéder à d'autres statuts. Le plus connu d'entre eux est le statut d'administrateur. On parle aussi d'admin ou alors encore d'opérateur. Il y en a environ 170 sur la Wikipédia francophone. Qu'est-ce qu'un administrateur? C'est une wikipédienne ou un wikipédien expérimenté, élu par la communauté au terme d'une élection de 2 semaines et qui possède quelques outils supplémentaires. Il peut notamment supprimer des pages, bloquer des contributeurs, c'est-à-dire les empêcher de contribuer pendant une durée déterminée. Il est également capable d'empêcher les contributeurs sous IP de modifier un article, par exemple, quand celui-ci fait l'objet de vandalisme récurrent. Et évidemment, tout cela est encadré par des règles très précises. Un admin ne peut pas bloquer un contributeur, sauf s'il est évident que celui-ci a enfreint des règles de Wikipédia. De même, un admin peut supprimer une page uniquement si celle-ci contrevient clairement aux principes fondateurs. Attention, un admin reste un contributeur comme les autres sur le plan éditorial. Il n'a pas de pouvoir supplémentaire. S'il est en désaccord avec un autre wikipédien sur le contenu d'un article, son avis ne vaudra pas davantage. Rappelons-le encore une fois, sur Wikipédia, il n'y a aucune hiérarchie. L'organisation est totalement horizontale, contrairement à l'organisation verticale à laquelle nous sommes tous habitués, notamment dans le monde du travail. Il existe quelques autres statuts moins fréquents que vous découvrirez au fur et à mesure de vos contributions. Au-delà de ces statuts techniques, il existe de nombreuses manières de contribuer. Et les Wikipédiens aiment bien donner des noms, parfois humoristiques, à ces statuts officieux et informels, qui ne nécessitent aucune élection. Par exemple, un contributeur qui effectuera de nombreuses petites modifications de maintenance sera appelé Wikignome ou Wikifée. Des contributeurs qui se sont spécialisés dans la création et la retouche d'illustration sont quant à eux nommés Wikigraphistes. Il y a un type de contributeur que vous croiserez forcément
peut-être même sans le savoir. Ce sont les fameux patrouilleurs. Ce terme énigmatique désigne en fait des contributeurs expérimentés qui ont pour principale activité de contrôler les ajouts faits sur Wikipédia. Ils utilisent notamment pour cela un logiciel qui leur permet de vérifier en temps réel toutes les modifications effectuées sur l'encyclopédie par les contributeurs sous IP et les contributeurs qui viennent de s'inscrire. Et tout ceci 24 heures sur 24. Vous avez désormais un petit aperçu de l'organisation de la communauté et de quelques rôles qu'il est possible d'y jouer.